Bon rétablissement aux athlètes du triathlon qui sont à l'hôpital à cause de la Seine. C'est pour nous. On l'avait dit quand même. Les haters sur les réseaux en train de dire que les athlètes font semblant d'être malades parce qu'ils étaient en train de perdre aux JO. On parle d'athlètes de Jeux Olympiques, des sportifs. C'est-à-dire que même si elle devait arriver dernière, elle aurait préféré qu'à avoir une gastro pendant 4 jours à l'hôpital. Tout le monde préférerait perdre aux Jeux Olympiques plutôt que de faire caca pendant 4 jours dans un hôpital de Paris. Nous, on a eu la médaille d'or, nous, ça va. Bah oui, les défenses immunitaires d'un Français, c'est pas les mêmes. On mange du fromage, on boit du vin. Français, c'est tous les jours qu'il est dans la merde. Il regarde pour la Seine. Les hôpitaux qui soignent les athlètes, ils auraient eu plus besoin de ce milliard que la Seine. On pourra même pas se baigner dedans. On veut des comptes, quitte à ce que tu rembourses de ta poche. Ça va pas passer. On veut voir les factures, on veut voir qui a eu les contrats, on veut voir si c'est pas ton cousin et ta famille. Rends l'argent, Macron. Pendant que les athlètes sont à l'hôpital, il y a Macron qui prend son petit bain de mer, tranquillou avec son bateau, toute sa sécurité qui nous coûte 60 000 boules, en train de faire la bagarre avec ses copains. Ils auraient pu être l'équipe de judo. Il avait du toucher-coller et sans kimono. On attend un Premier ministre pour savoir si on va avoir la petite prime de rentrée pour les gamins à l'école. Si on achète les nouvelles baskets ou si on recycle celles de son frère. Bon rétablissement aux athlètes et bonne galère mes prolétaires.